Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on joue à Orbital Bullet. Alors, c'est un action platformer roguelike. Vous allez voir qui est très sympa et qui a une particularité assez étonnante, c'est qu'on tourne autour, en fait. C'est un grand cercle, on va dire. Donc là, le premier emplacement, c'était ma partie précédente que j'ai fait offline pour voir si le jeu tournait. On va faire une nouvelle partie. Vous allez voir aussi que le jeu, comme d'habitude, ça se joue, ce style de jeu se joue avec la manette. Alors moi, je suis clavier souris. Par contre, on peut tout faire clavier et souris. Donc A et D, on se déplace sur le côté. E, on peut équiper une arme. Donc là, vous voyez que en haut à droite, je l'ai. Clic droit, je vais pouvoir changer aussi. Et on va appuyer sur E pour lancer le jeu, parce que là, on n'a aucune amélioration. Évidemment, on pourra faire des améliorations en mourant. Comme tout le temps, ce style de jeu, c'est toujours le cas. Alors, je peux double sauter. Tac, tac. Et on peut aussi faire un petit dash, vous voyez, en appuyant sur Shift. Là, on va vite fait avoir du monde. Donc là, on fait un petit Shift pour aller... Donc là c'est vraiment le tuto. On peut sauter sur les méchants pour les tuer. Mais le plus important, c'est qu'on peut surtout, vous voyez, clic gauche, on peut surtout tirer. Donc là, hop, on va essayer... Je vais essayer de vous montrer quand même du gameplay un peu plus sympa, même si c'est toujours compliqué de faire ça en jouant. Ah. Ok, non. Et puis j'ai, évidemment, vous voyez, j'ai en haut une barre de vie. Là, le secteur est terminé, donc le jeu me propose d'appuyer sur R pour passer au suivant. J'appuie sur R et je passe au suivant, voilà. C'est tout bête, hein. Ah mince, mais alors là, j'ai plus d'ammo. Ah oui, c'est vrai, donc là, j'ai équipé une mitraillette, j'appuie sur clic droit, vous voyez, pour changer. Donc là, gauche, j'ai celui-là, droite, c'est celui-là. Donc là, on va tirer. On va essayer d'économiser un peu les munitions, parce que la dernière fois, je suis tombé un peu... Ah bah, je voulais sauter dessus en même temps. La dernière fois, je suis tombé un peu comme un idiot. Donc là, vous voyez qu'on a des ressources en haut, je vous montrerai après à quoi ça sert. Alors c'est un jeu qui est vraiment ultra nerveux, comme à chaque fois dans ce style de jeu. Donc tab, on a la carte, mais ça je m'en sers pas trop, je sais pas, peut-être ça sert peut-être plus tard, mais je m'en sers pas trop. Hop, vous voyez, c'est vraiment ultra nerveux, ça bouge dans tous les sens. Là, lui, on va le tuer, évidemment, il me passe à travers. Là, il y a lui, on a la mitraillette, mais on va la garder pour le moment. Ok, ça c'est fait. Là, ah oui, c'est par là. Hop, j'appuie sur E, je vais là. Se rendre au secteur suivant. Donc, tout est généré aléatoirement, si je dis pas de bêtises. Excepté, évidemment, les premiers niveaux que... Mince, que j'ai déjà fait. Alors lui, il me donne des munitions. On va peut-être s'équiper de... On va s'équiper de la mitraillette. Hein. Alors, des petites capacités. 4% de chance d'étournissement. Ça, c'est pas mal. Hop, et on passe au secteur suivant. Oui, c'est vraiment tout bête, mais par contre, c'est vraiment dur à maîtriser, comme à chaque fois. Alors, de temps en temps, il y a des petites capacités planquées ici, donc là, vol de vie. Ah, j'ai 4% de chance de voler de la vie. Alors, il y a lui, vous voyez, qui détruit tout. Et en plus, quand je lui tire dessus, il a un bouclier. Alors, évidemment, je voulais vous montrer, donc j'ai pris les dégâts. Quand je lui tire dessus, il a un bouclier, donc c'est toujours un peu compliqué. Je peux pas aller au secteur suivant? Ah non, il y en a un là. Puis j'ai des ressources là aussi, ouais, yes. Allons au secteur suivant. Oula, il y a plein de ressources. Ah, et puis là, regardez, on voit pour la première fois la genre de chauve-souris toute pas belle. Là, on va récupérer ça quand même. Tac. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? Station d'amélioration. Ah, alors. Obtenez un drone d'assistance qui tire en même temps que vous. Ok. Augmente tous les dégâts avec les balles. Des balles, c'est pas mal ça. Augmente tous les dégâts énergétiques, donc ça, c'est... arme, objet d'amélioration, ok. Réduit le temps nécessaire pour tirer à nouveau avec une arme après avoir tué un ennemi. J'ai envie de faire plus de dégâts pour le moment avec les armes. Et je vais me prendre un drone en plus, comme j'avais 2 points. Là, vous voyez qu'on a le petit drone qui est ici. Qui va me permettre de faire plus de dégâts. Ah, il y a lui, alors. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent détruire. On va lui sauter dessus. Et vous voyez que mon drone tire en même temps. Du coup, je sais pas si ça double mes dégâts, mais en tout cas, ça fait carrément plus mal. Là, on va d'abord tirer sur lui. On va se faire... Oh ! Ah oui, mais j'ai pas shift. C'est une bêtise, ça. Alors lui, voilà. Vous voyez, il fait des dégâts. J'essaie de me concentrer pour pas mourir. Il fait des dégâts, vous avez vu, il fait une petite bombe, en fait. Qui permet de me faire un peu plus mal. Comment ? On va d'abord tirer sur lui. Ah non, lui, il est là-bas. Ah, il y a quand même beaucoup de méchants, là. Ah non, il y a lui à faire. Vous voyez, là, quand même, je leur fais bien plus de dégâts, j'ai l'impression. Hop, on va là. On lui saute dessus. On va essayer de tout tuer.
avant qu'il arrive. Allez, allez, ouais. Yes. Là, par contre, c'est quoi ? Amélioration des compétences. Ah, d'accord. Donc là, en fait, on va me proposer de cette branche-là. Donc j'appuie sur Entrée. Donc j'ai cette branche-là et dégâts d'obus accrus. Donc là, pour le moment, je m'en fous. Précision. Les armes sont plus précises. C'est pas mal, ça. Vous laissez une bombe derrière vous lorsque vous esquivez. Oh, c'est pas mal, ça. Dégâts augmentés selon... Ah, c'est pas mal. Ah oui, je peux pas le faire, c'est vrai. Bah, on va débloquer ça et après on pourra débloquer ça. Vous voyez, ça fait un arbre de compétences en fait. Hein. Ah oui, non, c'est l'ascenseur qu'il faut prendre. Donc c'est vraiment un style pixel art qui est très sympa et qui se prête bien du coup, je trouve, à ce genre de jeu. Ok, alors ces ennemis, je les ai jamais vus encore. Je vous dis, j'ai vraiment pas joué longtemps parce que je voulais le découvrir avec vous. Hop. Ouais, on essaie de leur sauter dessus. Yes, on est bon. Capacité. Ah, chance de coup critique, c'est pas mal. Là, il y a un cooldown. Je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est parce qu'il faut détruire les ennemis. Faut quoi ? Faut lui sauter dessus, certainement ? Ah oui, il fallait lui sauter dessus. Pourquoi il y a toujours un cooldown sur celui-là ? C'est marrant. Ok, bon, c'est pas grave. On va passer au secteur suivant. Alors lui, il me permet de me soigner, donc on va dire oui. Je vais appuyer sur E pour être full life. Et ça prend des crédits, mais vous voyez des crédits là. Hop, j'en ai plus beaucoup. La station d'amélioration, j'ai 0 points disponibles. Donc là, ça sert à rien. Et... ouais, non, moi c'est tout. Alors non, ça c'est pour me téléporter, mais voilà, moi je vais aller en haut. Non. Là, c'est les petites bestioles, normalement toutes simples à Ok, d'accord. Alors lui, il m'a défoncé. Est-ce qu'il me tire encore dessus? Ok, j'ai pris... Ah, là, il y a de l'amélioration. On va collecter la capacité. On fait plus de dégâts critiques. C'est toujours pas mal, ça. Aïe, c'est vrai que ceux-là, ceux qui tirent, ils ont un petit canon à l'avant, on le voit. Alors là, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus costaud. Je crois qu'on va peut-être accéder au premier boss, là. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est pas une mitraille. Je suis obligé de faire des clics hein, pour tirer. Ok, 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 on va se calmer. Oh, les dégâts qu'ils mettent, eux. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais... on va essayer de leur sauter dessus. C'est vrai qu'on peut dasher en l'air, ça, c'est pas mal. Ok, je me concentre. Hein. Yes, voilà, j'ai réussi à les battre. Collecter les fragments d'armes, on va le faire. On va shifter, ça c'est quoi? Ah, ramasser un plan. Fusil d'éclaireur, ok, très bien. Et là... Ah, ça me donne... Alors, fusil de chasse, on va l'équiper à la place du pistolet. On va se soigner, évidemment. Et on va se rendre au secteur suivant. Ok, ça c'est cool. Bon, allez, c'est vraiment agréable à prendre en main, je trouve. Même au clavier souris, hein, honnêtement. Ok, j'ai pris des trucs. Et si on essaye... Ah non, c'est le fusil à pompe là que j'ai, ouais. Ouf, ok, 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 on se calme. Alors ça, c'est des ennemis que j'ai jamais vus encore. Hein. Je suis pas allé jusqu'ici en solo. Parce que je voulais me garder la surprise. Et j'ai bien fait de me garder la surprise parce qu'ils sont bien costauds. Ok, fragments d'armes collectés. On peut passer au secteur suivant. Je crois qu'on a... On a tout pris. Ça, c'est quoi? Lance-grenade. Ouais, mais je l'avais déjà essayé. Il était moins bon. Il est plus compliqué à faire, en fait. Allez, yes. Oh, ça fait des petites bestioles, ça. Alors, on va se prendre l'autre. Ah, elle est plus efficace contre... Oh! Un rail. Trop bien. C'est énorme. C'est énorme, ça, ce petit rail. Ah oui, d'accord. Ok. Et là, il n'y a rien d'autre à collecter. Oh, stylé, le petit rail. J'ai bien aimé. On va se prendre le pompe. Ah, mais il me tire dessus en même temps, lui. Mais c'est quoi, ces trucs-là? Alors là, il va me tirer dessus. Ok. Ah, mais je suis bien resté dans le truc, hein, comme ça, au moins. Allez, meurs. Ok. Là, il y a quelque chose à récupérer. J'ai équipé une autre arme. J'ai pris le pompe. Aïe. Là, il y a quoi? Il y a une capacité. Vol de vie, ça, c'est bien. Ça me plaît. Allez, on saute encore. Je vais le tuer, lui. C'est quoi ça? Fragment d'arme.
si je reste en haut, je prends des dégâts ou pas? Non, je reste à 42 points de vie. Ouais, forcément. Ok. Je vais l'attaquer aux pompes, lui. Mince. On va prendre un petit pistolet. Voilà, comme ça on peut détruire ces petites bestioles. Ok. Comment... Ah non, c'est par là. En fait, quand elles sont toutes seules, c'est assez facile, hein, mais... C'est quoi, ça? Station d'amélioration. Ouh, j'ai 3 points, donc on va essayer la bombe roulade. Ok. Vos dégâts sont augmentés selon le pourcentage de points de vie. Niveau 1, 5% des points de vie sont convertis en dégâts supplémentaires. Ok, ça a l'air fort, ça. On va en mettre un. Réduit le temps nécessaire, ça, on s'en fiche. Drone. Niveau 2, drone avec une grenade. Portée haute précision. Allez, vas-y. J'ai l'impression qu'il m'aide vachement, en fait, le drone. Comment je vais là-haut, là? Comment j'y vais? Ah, bah. Est-ce que tu crois que c'est par là? Ah ouais, comme ça, ok. Munition renforcée, c'est cool. Changer de cylindre avec la tyrolienne, c'est stylé. Non, ok, d'accord. Il faut que j'arrive à lui sauter dessus, j'ai réussi. Je m'échappe. Hein. Si je lui saute dessus... Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ok, on va prendre le pompe. Ah, et là, par contre, il y a de la bestiole, là. Ok, j'essaie juste de les éviter. Ah, là, il y a des pics. Faut pas que je me les prenne. Je peux leur tirer dessus comme ça, non? Hop, toi, t'as plus de carapace. Tu dégages, et toi... Ah, par contre, il me fait des dégâts quand il saute comme ça. Ok. Ah mince, j'ai fait R pour le secteur suivant, mais... Ok. Ah, la petite bombe, vous voyez, regardez. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais on va essayer avec lui. Si je fais ça, si je fais une petite bombe... Des petites bombes, mais il reste pas dessus. Ah, je voulais juste essayer. Ah, non. Ok. C'est vraiment chiant, ça, comme bestiole. J'essaie de le provoquer, mais ouais, je l'ai un peu trop provoqué. Ah, je suis mort. Donc là, c'est bien, en fait, le fait de mourir. Vous voyez, c'est des parties assez rapides. Au final, ça dure une dizaine de minutes. Et là, on peut level up. Donc on a un niveau supérieur et là je peux choisir des skills. Donc par exemple démarrer avec un combo lorsque tu tues des ennemis, tout ça. Mais moi ce que j'aime bien c'est commencer avec une arme. Donc là je vais commencer, comme j'ai dépensé ce point là, je vais obtenir une arme aléatoire. Et vous voyez, hop, elle est là, non, là c'est l'armurerie. Donc ça c'est toutes les armes en fait qu'on débloque au fur et à mesure. Et là direct on me file un lance-grenade et ça c'est une arme aléatoire. Lancer la partie, oui, je lance la partie. Bon bah déjà on a passé ce premier niveau, on va essayer de... Alors, c'est pas speedrun hein, j'allais dire, mais aller peut-être un peu plus vite. Bon, par contre, le lance-grenade il fait vraiment mal, mais il tape à longue portée, j'ai l'impression. Ah, et ça me touche, ah oui. Ça par contre c'est pas forcément une bonne chose. Par contre ça tape de très loin quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais je les ai défoncés. Ok, là... ah non, faut aller là-haut. Hop, bonjour les gars. Et là, je l'ai défoncé. On va lui sauter dessus comme ça. Par contre, c'est chiant parce qu'on prend... Non, on prend les dégâts. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu... C'est pas forcément la meilleure arme à avoir en début de game, je pense. Mais, détruis-les les caisses. De là. Ah, c'est bon. J'aimerais bien avoir déjà une autre arme. Mais bon, on verra ça. Par contre, franchement, c'est super puissant. Hein, j'avoue. Ils sont bêtes, ces bestioles. Ça. Ok, je peux juste faire ça pour les avoir.
Voilà, on va essayer de pas mourir. Donc là, j'ai 35, donc... Ah, je peux m'acheter la mitraillette pour 30, bah vas-y, feu. Voilà, à la place du pistolet, comme ça, j'ai la mitraillette. Non, on va pas se téléporter, on va juste changer de secteur. Hop, vers le haut. On va garder le... On va garder ça, je trouve ça vachement pratique. Aïe, oh, ouais, enfin pratique quand c'est maîtrisé. On va faire clic droit, là, on va se prendre... Qu'est-ce qu'on a? Mine d'or, ok. Oula, oula, oula. Je saute dessus comme ça, puis là, dessus, normalement. D'accord. Là, qu'est-ce que c'est? Non, mais pourquoi j'ai équipé le lance-grenade? On va rester sur la mitraillette. Là, on prend le lance-grenade et on le tue. Ah oui, la mitraillette, c'est vrai qu'on peut rester du coup appuyé. Ok. Le mec qui arrive en mode bourrin, vraiment, quoi, Rambo. Non, on va. Ok. Je peux pas les tirer dessus. Avec ça. Ok. Alors, amélioration de compétences. On en a eu des nouvelles, là. C'est quoi, ça? Recul d'armes réduit, c'est pas mal. Ah non, les bottes tirent un rayon, ça, vous allez voir, c'est bien. En fait, je fais un double saut et ça tire un rayon. Donc si jamais j'ai des ennemis en dessous, moi je les défonce. Tout simplement. Tout simplement. On a combien? On a 16 minutes de vidéo, c'est pas mal. Pourquoi je prends... J'ai l'impression que je prenais des dégâts, là. Ok. Oh, ça l'a eu là. Allez. Ah, j'aurais pu essayer mon rayon de la mort quand je saute. Oula, oula. Ok. Ok, là-bas il y a un méchant. Si je tire comme ça. Ça tire de vachement loin en fait quoi. Oh non, je me suis pris encore, n'importe quoi. Je suis à 58 points de vie là, faut que je fasse gaffe. Essayez de pas mourir quand même. Hop, hop, hop. Alors là, comment... Comment on l'a lui? J'ai essayé d'appuyer sur E en même temps mais... J'ai essayé d'appuyer... Attends, si je m'avais bien dans le sous... Ah, ça y est. Plus de coups critiques, ça me va. Ah, là, il y a des petites ressources, on va les récupérer quand même. Tac, ok. Clic droit, lance-grenade. On peut passer au secteur suivant. Lance-grenade, ça peut... Est-ce que c'est pratique? Je suis fusil de chasse. Est-ce que je prends plutôt le fusil de chasse à la place? Je sais pas. Ça, c'est quoi? Plus de munitions, je m'en fiche. Je m'en fiche, on va changer le lance-grenade. On va prendre le fusil de chasse. J'ai pris les munitions renforcées parce que je me dis que je vais prendre trop de dégâts à moi tout seul. Bourrine, hein. Ah. Allez, l'autre qui me... Allez, yes. Petite capacité vol de vie. Ok. Là j'aurai rien, on va peut-être prendre ça direct. Ah ouais non, on va d'abord s'occuper de lui en hauteur. Et de lui. Vous voyez les dégâts que ça fait le rayon? Je les tue quasiment sans tirer. Ok. Bon ça va là, ça va. Ça se voit que je suis un peu plus à l'aise. Je peux vous proposer un gameplay un peu plus sympa. On va prendre le pont direct là. Ok, là par contre on prend la mitraillette. Non. Oh, mais pourtant j'ai sauté. Ouais, la dispersion des armes c'est un peu chiant. Là normalement si je reste un peu loin... Ah, oh, j'ai plus de munitions, ok, je bourrine trop. Ça c'est quoi ça? Fragment d'armes, ok.
Oh, j'ai sauté en même temps que lui. Quel dommage. C'est pas très grave. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? Démarrer qu'un combo lorsque vous tuez 4 ennemis dans un temps approché, ce que moi on veut dire de 25, ok? Lorsque vous ouvrez un coffre d'armes, vous avez une chance de trouver une arme plus rare. Oh, c'est pas mal ça. Mais on va prendre ça qui va me permettre de me soigner. C'est quand même un peu mieux. Alors, ça je l'ai pas encore fait. Appuyez sur F pour essayer le soin. Mais j'appuie sur F là. Allô? Très bien, le jeu me dit. Alors peut-être appuyer sur F plus longtemps? Ah, ok, d'accord. Alors, ouvrir l'armurerie, non. C'est quoi? Une mitraillette. Ah, ça, ça me plaît. Commencer avec une mitraillette, c'est toujours mieux. Puis, faut pas que j'oublie que j'ai le soin. Vous voyez, là, j'ai un de soin en haut. On va se calmer. Mais en fait, il saute super loin. Je me fais avoir à chaque fois. Je devrais shift... détruire lui avant. Ah mais lui en plus il peut tirer sur deux plans. C'est quand même super fort. Augmenter ses points de vie. Ou un medkit. J'ai combien? J'ai 19. Ah bah je peux pas de toute façon. Entrer dans la station d'amélioration, j'ai pas de points. Ok. Ah t'as cru m'avoir toi hein. On shift. Yes, on est bon. Et on va au prochain secteur. Alors, le jeu est en français, hein, faut quand même le dire. Bon, même si, évidemment, faut pas avoir fait Mathsup pour comprendre les mécanismes sans comprendre la langue. Mais je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit jeu qui est écrit en français, comme ça, enfin, qui est développé en français. Canon à viande, précision accrue, c'est pas mal. Les bottes laser, moi j'aime bien. On va se garder les bottes laser parce que des fois ça sert bien, même surtout pour le boss, je trouve. On appuie deux fois, des fois ils viennent sur toi, et puis tu sautes, tu spams le saut. Ah, mais. Tu vois, comme ça là. Hop. Et là tu le défonces. Mais. Pourtant j'ai shift. Offre. Coffre de temps, très bien. Ramasser le plan. Fusil à empilement. J'ai jamais vu encore ça. Allez, toi, viens. Il y en avait deux là ou c'est moi? Il y en avait deux. Hein. Ok, là par contre. Ah, il faut l'énerver pour qu'il pète là, ouais. Je l'ai cramé en passant. J'aime vraiment bien ce... Alors, un medkit en plus ou un fusil... C'est peut-être mieux un medkit, hein, on est d'accord. Et amélioration... J'ai des points? Ah oui, j'en ai un. Alors, laissez une bombe quand vous esquivez. Ça me plaît aussi. Ah là, ça va, j'ai des skills qui me plaisent. Évidemment, j'ai pas bien esquivé là. Je l'ai cramé. Ok. Toi tu vas. Oh. Est-ce que je peux là tous les désinguer d'ici? Ouais. Bon, même s'il m'a tiré dessus. Ah là-bas. Ah oui, alors lui il me tire de loin, c'est chiant. Capacité mine d'or, ok. Et voilà. Je suis obligé de me concentrer à bloc quand même. Parce que je veux pas vous montrer que du fail, donc là ça va. Ok, donc là j'ai ce qu'il me faut. Hein. Je peux esquiver, faire des bombes. Je peux les cramer. Oh, oh là là. J'essaie de les cramer, mais... Ok. Et je vais me soigner. Évidemment, il m'a tiré dessus, mais c'est pas grave. Voilà, en fait c'est avec ce boss là, enfin cette chambre là, je peux les défoncer en sautant, hop voilà, en double sautant, et je leur tire dessus après, hop comme ça je les mets déjà pas bien, c'est chaud hein, ok, ils sont forts, franchement ils sont forts, j'ai eu plein de fragments d'armes, c'est cool, bolas boomerang, oh c'est cool ça, comment ça s'appelle? Bolas Beaumonde, ok. C'est cool. On va se...
Ah oui, alors par contre, faut que je fasse gaffe parce que quand je dash, ça peut être des bombes qui peuvent me faire mal, quoi. Ok, Diatus, ça y est. Donc ça, c'est le niveau où je suis mort tout à l'heure. On va essayer le nouveau. Ok, donc, le nouveau boomerang, il a l'air vachement fort. Nous, on va essayer de le cramer comme ça. Alors pourquoi... Pourquoi le jeu me propose d'aller en haut? Je vois rien. J'essaie d'y aller, mais... Ouais, je sais pas. Ok. Là, c'est quoi? Fragment. Et je me suis encore pris... j'ai l'impression qu'on peut aller... On peut aller en haut comme ça. C'est étonnant ça, y a rien à récupérer. Bon. Lance grenade, allez. Ok, j'ai pris le lance grenade pour mourir. Hein. Allez, concentre-toi, concentre-toi. Reviens là, toi. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est celui qui drop des petites bonbounettes. On va récupérer d'abord tout ce qu'on peut. Ok, chance de crit, et... Oula, c'est qui fait des bombes comme ça? C'est lui? Non. Je pense que c'est là-bas. On va prendre des boomerangs. Allez, allez. Ok. Il est vraiment chaud, chaud ce niveau. C'est peut-être le bolas aussi qui est pas forcément super, super bien. Je sais pas qui est-ce qui me drop des petites bestioles là, mais c'est chiant. Oh non! Ok, là où il y a rien. Mais... Oh. Ah mais en fait c'est peut-être lui au milieu là, non? Ah non, c'est ces trucs là. Ah, c'est ces petites fleurs, en fait. Non, pas du tout. Mais... Évidemment, je suis tombé en plein dessus. Ok. Bon, on a un point d'amélioration. Classe unlocked. Ah. J'ai des... Ah, alors, attends. A, E, ok. Général, mission... Alors, sélectionner une classe. Vaincre le boss artilleur, c'est quoi, ça? Ok, je sais pas trop. Alors, déjà on va débloquer un truc. Augmente les charges max, vous obtenez un bouclier qui vient s'ajouter à votre santé. Ça c'est pas mal. Ah mais je suis pas au niveau encore, d'accord. Et, mince, je voulais voir les autres classes. Pyromane, maraudeur. Lance une grenade qui rebondit. Alors ça c'est pas pour moi. Pourquoi je peux pas voir les autres classes? Alors, des fois c'est pas... C'est quand même pas intuitif. Classe. Alors, FFG mission, F les classes. Ok, pyromane, mercenaire. Ça c'est mercenaire, c'est ce que je vais. Ingénieur, place une tourelle qui attaque les ennemis proches. Ça c'est fort. Mince. Ou alors, pyromane. Ça, ça peut me plaire. Lance une grenade qui déclenche des explosions. Ah ouais, non. Bon, on va essayer la tourelle. Ça peut être sympa. On va essayer l'ingénieur. Allez. Par contre, comment on place la tourelle, du coup? Je sais pas trop. Oh, un bolas boomerang, ouais. Bon, c'est peut-être mieux que rien. Tourelle ramassée, ok. Et là, il y a un cooldown. D'accord, je sais pas encore comment l'utiliser, on va attendre la fin du cooldown. Ok. Ah oui, alors eux, c'est ceux qui tirent direct, très bien. Comment prendre des dégâts inutilement? C'est vrai que c'est le pistolet, donc faut spam clic. Hop, ok, secteur suivant. C'est bien parce que je prends déjà direct des dégâts. Oula. Non. Ça c'est quoi? Okay, on s'en fout. Oh, mais j'ai le lance-grenade, mais je veux pas. Mais. Le jeu peut me laisser le temps de lire. Session d'amélioration. Il vous accorde un saut supplémentaire.
Bon, tiens, allez, vas-y, on va essayer, on a jamais essayé. Alors, on va prendre les lance-grenades, je le préfère limite au bolas en fait. Par où on part? Par où on part? On part par là. Ah non, c'est pas par là. C'est l'ascenseur qui est là. Pas que j'oublie que je peux me soigner, mais. Mais je le ferai uniquement pendant le boss. J'essaie juste de faire des trucs sympas avec le lance-grenade, mais c'est chaud. Alors, génial, encore un lance-grenade. Augmente le nombre de points de vie maximum. Ah, c'est pas mal ça. Mais j'ai pas assez de thunes. J'ai pas assez de thunes. Et là, est-ce que j'ai un point d'amélioration? Pas du tout. Pas très bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai 3 points. 1, 2, 3. Go. On va se téléporter. Non, comment je pars d'ici? Alors. C'est uniquement se téléportant? Ok. D'accord. Donc là, je me suis téléporté. Sauter vers le haut. Ah, ok, d'accord. Mais. C'est celui qui tire ou pas? Ouais. Ah, tu m'auras pas parce que j'ai triple saut. Un triple saut mélangé avec le rayon là quand tu sautes, je pense que c'est assez fort. Ah non, il y avait un skill à côté, j'avais pas vu. J'ai joué trop vite. Mitraillette, vas-y, on la prend à la place de la grenade. Attends, je vais me faire lui. Et lui aussi, ok. Améliorer les compétences. Ok. Les explosions ont un effet plus large. Tous les dégâts énergétiques. Chance de coup critique. Vas-y, c'est mieux. Je trouve que c'est le mieux qu'il y avait. Par contre, oui, remarque, j'ai encore du soin. Il faudrait que je me mette full life avant le boss. Hein. Non. Faudrait 2 secondes, vite. Ouf, je l'ai eu. Un lance-grenade, super, putain. Non, alors on va pas le prendre. Il m'a eu sans m'avoir en fait. On va tirer avec ce petit pistolet. Ok, mais je prends pas les trucs. Ah, je peux pas redescendre en plus, c'est dommage ça. Capacité Volvi, on s'en fiche. Capacité coup. Ah, quoique Volvi. Volvi, c'est pas mal. Ah, mais je peux acheter les deux capacités là. On va se les acheter les deux. Hein. Passe pour la tête. Un point disponible. Plus de coups critiques, c'est pas trop mal. Hein. On est à quoi? On est à 33 minutes de la vidéo, c'est pas mal. Hop là, cette esquive. Oh là là, cette esquive encore. Ce pro player, le dingue. Voilà. Dire ça, on va utiliser le soin. Hop, en fait eux ils sont pas si compliqués que ça à détruire, mais il faut se concentrer quoi. Ok, il a pas eu le temps de sauter. Ils sont allés où? Ah, ils sont là. Mission renforcée. Ok. Yes, ça va. Je maîtrise. Allez, le boss. Le boss, ça va être compliqué, mais on va utiliser ce petit flingue d'abord pour tuer les premières petites bestioles. Allez, mourez, non! Ah oui, par contre. Mais. Ah, mais il est pas mort, je crois que je l'avais tué moi. Ok, maintenant c'est celle-là. 1, 2, 3. 1, 2,
2, 3, on change d'arme. Ah non, ça va, j'ai encore des munitions. Ça, c'est quoi? Non, c'est un plan. Il meurt pas, hein? Non, ça va. Ok, j'ai eu plein de fragments d'armes. Fusil de chasse, très bien. Je me régène. Et c'est bon. Bon, là, pour le moment, ça va. J'arrive à arriver sur Diatus, mais j'arrive pas à aller plus loin. C'est dommage. Je vais essayer de... Ah, mais oui, c'est vrai, comme j'ai 3 sauts... Moment génial. J'essaie de... Je me concentre, hein. Ah, mais j'avais oublié. J'avais oublié que lui, en mourant, il me fait ça. Ah. Non. J'essaie de me concentrer, les gars. Vraiment. Vraiment, j'essaie, mais... le meilleur des endroits ici, je pense, pour se le faire. Eux, par contre, ils sont durs, je trouve, avec le petit bonhomme au-dessus, là. Non, mais c'est quoi, ça? Limite un mini-boss, lui, quoi. J'ai 19 points de vie, hein. Je suis pas allé loin. Ah, j'ai plus du tout de munitions. Mais pourquoi? Bon, allez, on a quoi? On a 37 minutes, on va se refaire encore un petit tour. Ça, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Et là, ok, et là je peux toujours pas. Ah, j'ai pas vu la tourelle. Je me suis pas occupé de la tourelle par contre. C'est une connerie ça. Ah, ok, j'ai débloqué les nouvelles armes. Ah, la mitraillette, c'est bien. La petite tourelle. Ça c'est les boss à vaincre. Ok. Bon, allez. Là c'est bon, on va aller loin, vous allez voir. On va faire toutes les plaines du jeu, on l'a fini, il est trop simple. Il est trop simple, ce jeu. Ah oui, c'est ça, en fait. J'ai 104 points de vie. J'ai des petits points d'armure. Ça, c'est quoi? Ok, pour aller là-haut. Ah, sérieux, il me refile encore un lance-grenade. J'en ai marre. Je lance pas le lance... Je joue pas avec le lance-grenade, je suis pas fort avec. Amélioration. Une partie des dégâts due à des énergies transmises dans une branche. Ok. Ah, on va prendre le drone. Ah oui, après, non, c'était pas là. Ok. Alors là, il y a plein de capacités. On va pas oublier de les prendre. Cette fois-ci. Là, il y a un méchant. Ah, il s'est stun, c'est marrant. Ok. Oula. Ah, faut aller là-haut, ok. J'ai plus le triple saut, faut pas que j'oublie. Je touche d'ici. Ouf. Non. Alors. Il reste quoi? Voilà. Ah, il y a lui là-haut. Ok. Là, c'est bon. On a tous nos points de vie pour le moment, en tout cas. Mince. Mitraillette laser, vas-y, je prends. On l'a jamais encore essayé. Ouf, ça a l'air fort ça. Oh, oh. Ok, stylé. Augmente tous les dégâts énergétiques. Ah, ça c'est cool, c'est avec les armes laser.
Ok. Mais on commence à maîtriser un peu plus. Qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Coffre de temps, boomerang, on s'en fiche. Ok. Ah oui, j'ai l'impression que ça va me faire du mal en fait, donc on va pas y aller. Il est où l'autre? Allez, viens. On va essayer d'aller sur le secteur suivant. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, il y a une plateforme tout en haut, ok. Oh, tu m'as touché, salopio. Ok, c'est fort ce petit pistolet, cette petite mitraillette laser là. Alors, mettre kit en plus. Bah, vas-y. Hein. Enfin, non, pas mettre kit en plus, mais. Vos dégâts sont augmentés sur un pourcentage au point de vue maximum. Ça, c'est peut-être fort, parce que si jamais je suis dans le caca, au moins je fais plus de dégâts. Mais non, mais je suis bloqué. Ok, allez, allez, yes, c'est bien vu. Mais. Ah, mais je reste pas suffisamment appuyé sur le clic en fait. Bon, ça va bientôt être le boss. Prends la petite capacité qui va bien. On va aller directement là-bas. Bonjour, c'est moi. Ok, et j'ai pas. Non, il n'y a pas d'amélioration ici. Ah mince, mais je croyais que je l'avais. Je crois que j'avais tué tout le monde. Mais. Oh là là. Ou comment perdre tous ces points de vie, quoi. Allez. Je me concentre. Je vais prendre la mitraillette que pour celui-là. Et j'avance vers eux. J'avance vers eux pour rien. Toi, ok. Là, je fais clic droit pour avoir la laser. Ah non, mais la laser, elle est vraiment pétée, hein, franchement. Ça, c'est quoi? Ah non, c'est un plan. Okay. On se soigne. Et non, c'est un lance-grenade, je ne le veux pas. Ok, c'est maintenant, c'est là. C'est là, c'est tout de suite. Ok, 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 ok. Un truc génial, un truc que j'ai jamais vu et que je me prends en pleine poire. Je crois qu'il n'y a rien là-bas, non? Non, il n'y a rien. Je sais pas pourquoi. Ah, il y a encore un ennemi là-bas. Oh, ils sont horribles ces ennemis, quoi. Ok, alors lui, il m'a à peine vu qu'il m'a déjà tiré dessus. Non. Ok, ah, c'est quoi ça? Un meilleur fusil à énergie. Non. Bon, on le troque contre la mitraillette, hein. Ah ouais, ok, d'accord. Ça pique. Ça va être... bah voilà, on va dépenser ça. Et un deuxième drone, ce serait pas mal. Je pense qu'on va l'utiliser. Ah ouais, ça fait quoi? Ah, c'est ceux du boss, tiens. Oh non, encore lui, là, je l'aime pas. En fait, faut réussir à la Mario à lui sauter dessus à chaque fois. Ok, on va aller là-bas direct. Bonjour, c'est re-moi. Il est pas mal ce petit fusil. C'est un fusil à pompe énergétique là. Oh, je suis pas sur le. Ah, c'est marrant. Je suis bugué. Ok. Donc, ça c'est quoi? Botte laser, ok. Réduit le recul des armes. En tirant avec une arme, vous avez aussi une chance de tirer une grenade. Non, ça j'ai peur de m'en prendre dans la mouille. Ça c'est pas. Ah non, je peux pas le. On va débloquer.
Je peux pas. Ah non, parce que je suis toujours à 0, ok. Niveau suivant, et toi, c'est rien. Ok. Ah d'accord, non, ouais, ça, le jeu avait quand même un peu bugouillé. Ok, on n'est jamais allé aussi loin, les gars. C'est maintenant. Coffre de temps, lance-grenade, on s'en fiche. On va se reprendre la petite mitraillette laser. Enfin non, c'est... Ok. Allez, viens par là. Faut que j'arrive à lui sauter dessus quand il passe, en fait. Comme ça, tac. Je pense que c'est le bon pattern pour les tuer. On lui... J'allais dire, on lui saute dessus, mais... En sautant, mais il a bougé quand il fallait pas. Voilà. Trois petits dégâts. Et on n'a rien à récupérer en plus ou pas, là, non? Non. Non. Ok, il est très chiant à tuer comme ça, mais... Ok. Très bien. Ok, c'est la première fois qu'on le voyait, lui. Un truc rocailleux, ok. Qu'est-ce que c'est, cette petite roue, là? Je crois que je peux pas le tuer comme ça. Oula! Et ouais, forcément, tu me la prends en pleine mouille. Ok, d'accord, elle tourne, évidemment. On va passer par là. Là, il y a encore un ennemi. Là, la petite roue arrive là. Ok. Ah oui, non, je peux passer au secteur suivant. Fusil de chasse, je m'en fiche. Payer 50 crédits pour déverrouiller un sniper. Pff, franchement, je m'en fiche. Bolas Boomerang de ce niveau-là, pareil. Sniper, j'aime bien les armes que j'ai là, je vais les garder. Réduis le recul et je ferai les bottes laser après. Ok, allez, on se concentre. Ouf, okay. Ah, c'est lui. Ok, il m'a défoncé, mais je lui fais mal aussi. Oh, encore lui. Allez, je saute dessus. On fait la technique, mince. C'est la technique que j'ai trouvée, mais... Ok. Non, je devrais prendre l'autre. C'est lui qui fait plus de dégâts. Non. Je suis protégé là. Oh là, heureusement. Hein. Où est-ce qu'on peut passer là-bas? Où est-ce qu'on passe à... Ah, c'est là. Ok, tout ça pour ça. Alors lui, il m'embêtait pour rien, quoi. Allez, ça va être la fin de la vidéo parce que là, c'est le deuxième boss que je ne connais pas. Donc je peux mourir à tout moment. Ok. Ok. J'ai essayé de sauter. On l'aura au moins un petit peu vu. Oula, il a l'air vraiment super puissant. Bon écoutez, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu cette petite découverte, ce sera pas un let's play sauf si vous m'en demandez plusieurs en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter et puis un petit like aussi, ça fait plaisir. Allez, ciao ciao.